Si est-il une sortie à laquelle on ne s'attendait pas, Meghan Markle et le prince Harry ont été aperçus à un match de basketball et le Sussex, Hilar, ont partagé un moment de complicité. Voilà une sortie à laquelle personne ne s'attendait. En effet, Meghan Markle et le prince Harry ont été aperçus lors du match de basketball opposant les Lakers de Los Angeles aux Grizzlies de Memphis. En effet, comme lors de chaque match de basket, une caméra filme les spectateurs. L'objectif ? Que les deux personnes filmées s'embrassent devant tout le monde. Et voilà que l'objectif s'est posé sur les Sussex. Alors que le prince Harry a voulu jouer le jeu, Meghan Markle, Hilar, a préféré poser une main sur son bras, lui indiquant qu'elle n'était pas prête à faire cela en public. La scène cocasse a largement été diffusée sur les réseaux sociaux. Des spectateurs, témoins de cette séquence, ont même donné d'autres détails, ils ont rigolé quand ils ont réalisé qu'il était sur grand écran. Il semblait vraiment heureux et s'amusait beaucoup. Un moment de complicité entre les deux tourtereaux qui montre qu'ils sont toujours aussi proches. En effet, depuis l'annonce de la venue du prince Harry, seul, au couronnement de son père, les rumeurs vont bon train sur le coup. Certains évoquent des difficultés au sein même de leur relation. Des rumeurs de séparation. Tom Bauer, auteur et expert royal, avait en effet indiqué que la venue du prince Harry était un signe de future séparation. Je pense que Meghan n'est pas une femme attirante pour un milliardaire américain. Je veux dire, elle a la quarantaine, elle a deux enfants. La question est, est-ce qu'elle va s'ennuyer? Tout le monde dit qu'elle s'ennuiera avec Harry. Je pense qu'elle va rester avec lui, mais... Je suis une minorité en Amérique, tout le monde pense que d'ici 3 ans, ils seront séparés. Mais apparemment, tout va bien entre Meghan Markle et le prince Harry. À propos de l'auteur Holm passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ces derniers articles Thomas Pesquet furieux, fait rarissime, le spationaute français tape du poing. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, en couple depuis plus de 30 ans, pourquoi ne sont-ils pas mariés? Ce que je préfère chez lui, c'est le message cocasse de Laurie Tillman au sujet d'une personne.